Heureux les potos! Et oui! Et bonsoir à ceux qui cliquent sur la rediff YouTube, ou bonjour, ou bonne matinée. Bon, hop, gaming. J'ai pas fait encore les setups son, mais ça, je fais ça en deux coups de cuillère à peau. Hop! Le jeu. Ok, le jeu est là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai toute la. Je connais pas encore. 800 par 900, hein. Ouais, au moins c'est propre. Hop. Oui, je veux. Hop. Mettre le son. Je vous ai manqué? J'espère pas. Moi, je me suis manqué un petit peu, mais ça m'arrive. Oh là, non. Pas moyen, juste moyen, ça. Ok, hop. Les effets. On va mettre en moyen. Texture, je vais mettre en haut. Ombre, je vais mettre en moyen. Et c'est le truc. Pareil, je suis à 60 FPS. Fais voir le son. Ah, attends, un peu fort. Hop. Ça, 75. Parole, je mets ça. What? Bah, c'est dans ça, hein. Blablabla, blablabla. Bobbing de la tête. What? Ça a l'air d'aller comme ça. Ouais, peut-être baisser le son du jeu. Windows. Ça, 40. Ça m'a l'air d'être relativement agréable, je pense. Vous me dites, hein, vous me dites. Attends. Merde. Bonjour YouTube, donc je présente le sponsor de NordVPN. Connard, bah. Tu vous êtes un peu des gros PD quand même. Ça c'était de l'Oltruche, de Ludo. Voilà, ça c'est gratuit, voilà, je dénonce. Il y a de la dénonciation ici, messieurs. Ah, là je dors. C'est le ministre d'achat de mythologie. Ah, t'aimerais bien, hein. Mais non. Bah, du coup, bah, on va y aller. J'ai bien remis l'écran du jeu, ouais, c'est bon. Du coup, Absolute End of Gods. C'est la suite, je crois. Vraiment, c'est la suite. De quoi? Attends, j'aimerais bien savoir avant de commencer quand même. Parce que ça me titille depuis que j'en ai parlé tout à l'heure. Hop. De Angry Demon Studio et qu'ont-ils fait? Ah, ils sont sur DeviantArt, dis donc. Mais je m'en fous. Games. Je sais plus ce que c'est. Ah, si, ok. C'était Unforgiving Another Hymn, le premier jeu. Là, je crois que c'est une suite directe. Ou juste une suite, ou juste une autre idée. Ouais, c'est parti. En tout cas. Let's go. Nouveau jeu. C'est parti. J'ai dit, c'est parti. Ah, je suis un viking, moi. Mettre des filles, ça, c'est pour les suicidaires. Et ça, c'est pour les PD. Ok, viking. C'est parti. Parce qu'on est trop des vikings avec casque à cornes. Ah, Ludo qui s'est tiré une balle dans la tête. J'ai dit DeviantArt? Non, pas DeviantArt, Patreon, pardon. Déformation professionnelle. Comme avec ta sœur. Et ça, c'est gratuit. fais pas genre tes berserkers direct, Ludo. Toi, t'étais un sick. What? J'ai bien allumé la. Attends. Ouais, c'est bon, j'ai allumé. Pardon, on n'est jamais trop prudent. Ok, c'est bon, on va y aller. Qu'est-ce qui se passe? Ah, dégueu! Pourquoi tu me parles, Gladius? Ah, c'est fait du glouglou, c'est dégueu! C'est gui, c'est tout gui, j'aime pas. Grosse merde. Ça va, faut me dire direct le son, hein, par contre. Vous entendez bien, tout va bien, c'est agréable. Faut me dire s'il y a un lag ou pas, vu que j'ai juste installé le jeu avant le stream, quoi. J'ai rien fait d'autre. Ah putain, c'est encore. Oh là, c'est légèrement fort. Ok, attends, je change ça. Non, je vais laisser à 40 et je vais baisser in-game. Ça, 55, hein. Faut me dire si c'est toujours trop fort après. Attends, je peux pas changer vite fait des contrôles, là. Mettre ça à 60, la sensibilité.
Accélération de souris, nique ta mère. Attends, quoi? Tape pour s'accroupir, tape pour courir. Bon, c'est quoi sinon? Ah, j'ai pas le droit de voir apparemment. Ah si, j'ai un raccourci. Ah, mais ça... Left shift, bah, c'est mage. Et F contre... Ouais, non, c'est bon. Oui. Ah putain, attends, je vois pas tout le chat. En même temps, Vampa, il a un pseudo de 8 km. Quand elle est deux, mon enfant attardé. Doutal ou Portoum. J'aime bien Portoum, moi. Pourquoi c'est les Vikings? Oui. Ah, le poids de mon ex. C'est marrant ça, Ludo. C'est enfin raciste. Wap, c'est le Portoum. Il fait des solides murs. C'est pour ça qu'il y a pas de meuf. Ok. Ouais. What? Je suis quoi? C'est un rond. Ah. Non, bah prends-le. Prends-le, sale con. Ah, faut faire. Oui. Where am I? Les Vikings selon Marvel. Oh là là! Ah mais j'ai pas regardé. Ah mais c'est à peine flippant. Attends, c'est Odin ça? Non? Il est perdu un... Ouais, c'est Odin ça. Ça c'est Odin. Je sais pas. Thanos. Ça je sais pas. Ça, on dirait le méchant dans Destiny. Ça, c'est clairement un personnage de Pirates des Caraïbes. Et ça, c'est quand t'as trop mangé de fion. Non, c'est Gilles. Ah, ah, bah, je confonds les deux. Oh, salut, Tadjin. Aïe, aïe, mais hey, mon crâne. Mais hey, mais c'est dedans moi, ça, mais c'est pas... Aïe, aïe, oui. What? What the fuck? Pose les mains, écarte les jambes et tousse un peu fort. On dirait la représentation des impôts. La CAF, le CROUS. Les impôts. Combien d'amis The Surge? Putain mec, Doom, The Surge, Portal, et c'est bon, on mange Gucci. Encore un coup des cocos. Oh, ma vision du futur. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi, c'est... Non! Mais non, j'ai pas... C'est pas moi. Tu me vois pas là. Ah, oh, je peux voir mes pieds. Je connais pas le viking, moi. Pire qu'il y a un communiste qui t'observe pendant que tu regardes pas. Putain, genre dans les yeux, là. What the fuck? D'accord, j'ai mon petit truc qui remonte, ok. Alice, I pray to Odin that you safely find this and that your escape is successful. You have to hurry. As soon as the spirit notices, he will come after you, and I don't know what he will do to you. Ok, non, mais au moins c'est... Ouais, des gars, tu t'y fous mal. Oh, putain. Non, mais au moins c'est clair, net et précis, on y va, c'est parti. Oh, dialogue, ok. Non, c'est propre, c'est propre. Non, mais les actes j'aguille bien. Gratuit sur les ventilos, c'est quoi ce jeu? Mais quelqu'un peut regarder...
ça ferait pas peur. Les devs, ils sont nordiques, lul. Ils sont de là-bas ou c'est vraiment juste bah, les couilles? Parce que vu leur premier jeu, je crois que les devs, ils sont quand même. Alors oui, ça fait toujours un peu mal quand j'imagine Pampa, quand t'es un petit peu dans le bordel, quoi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus. Ils adaptent, quoi. Tu vois, ils s'en servent. J'ai jamais vu les mots à Yuga Lumière. Moi non plus, hein. Au début, je pense qu'il invoquait un espèce de bouton du diable. Ils sont bourrés, les devs. Ouais, mais ils sont suédois, du coup. Ah bah, non. It's all according to plan. Swedish people. Tiens. Oh, stylé. Du coup, ça, c'est des Jacques-Pachouk-Jacques-Pig. Ok. Paquet chips fini, mais nous en compte finition. Bah vas-y, mais kiff photo. 6, 7, 2, 5. Yep. What the fuck are you doing on there, my ding dong dong? Attends, quoi, Rune de Berserk? Non. Créature, tu dis. Pardon? What the fuck? Mon bébé, ça c'est la simple erreur pour trouver son chemin, le Vexvisien. Oui, j'ai fait dire le Vexvisien. Oui, je sais. Oui, c'est pas marrant. Moi, je trouve ça marrant quand même un peu. Oh, c'est terrifiant. Oh yes, j'adore la vision. Elle est trop stylée par contre. Ah, trop marrant le sexe. Attends, pourquoi ça fait pum pum? Pourquoi y a l'autre connasse de Poison Ivy dans le jeu là? C'est pas Poison Ivy ça. Ah! Maigre? De quoi maigre? Ah non, eux ça va être pour utiliser les trucs. Je vais le suivre hein. Oh sa mère. Bah ouais, le jeu, enfin moi, tu vois, je le prends pas mal, genre ça va, mais s'il y en a d'autres qui l'auraient streamé, ça aurait été gratuit un peu, hein, gratuit ça quand même. Hein. Bon, par contre, le mec il me taute et ensuite il me fait peur, chacal un peu, non? Fils de pute, hein. Oh, hop, d'accord. Connard de suédois, la con, ton pays il veut rien dire. Puis vous êtes bourré. Puis j'ai vu Midsommar une fois, donc je connais la Suède, c'est bon. Alors par contre, je rigole, mais... Je rigole. Mais je me chie dessus un peu, là. J'ai vu le mec passer qui faisait gigantesque, en taille. Et voilà que je suis pas rassuré. Talent que c'est une blague, en vrai. Bah attends, ils mettent des lilettes partout. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Freya? Non? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, sérieux? Ça va le son du coup, je sais pas si vous m'avez répondu, mais ça va mieux là? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça ils ont même pas le droit de pisser debout. Ah les PD. What? Yeah, but fuck that shit, no? Instead, like the ungrateful waste of life that you are, you decided to leave my merciful embrace. Bah non, il lui manque des tétés et une grande bouche. You will regret in the dark. Oui, bah après, les mecs, ils ont leurs références culturelles. C'est bon, tranquille, on peut pardonner, les gars. Soyez pas les enculés. Je ne vois rien. C'est quoi ce mashup chelou? Eh, franchement, on est intéressé quand même. Oula. Alors, intéressant, ok, mais tranquille. Bou? Maxi Bou? C'est bon. Ah, d'accord! What? What?
Ouais, quoi? Ok. Je vais peut-être éviter de courir partout. Bah, il pourrait au moins serrer la main, quoi, genre... passer la bise, dire la salutation, quoi. Espace saut. Dis voilà. Connard de serre, putain, toujours eux. Ah. Ok. Ah! Oh, dis, oh putain. Ok. C'est bon, on est bon, on est bon. Bon, je vais y aller, moi je vais vous laisser gros bisous. Cuscus, MT, merci de passer, poteau, ça fait plaisir. Tous ceux qui sont passés, partis, et là, grand plaisir de vous voir. Okay, je ne vois rien. Ça va le gamma? Quand j'utilise pas la vision du cul? Ah! J'aime pas shift courir. C'est bizarre, ça m'intéresse moyen ça. Mais merde. C'est bon, elle est partie. Ah ça c'est putain. Plus de budget pour la merde, foutu dans la rune. Eh ça coûte pas cher hein. Eh t'achètes un caillou, tu le graves, c'est bon hein. Oh là là, ça pleure. Le gosse, tu le quoi le gosse? Où ça le gosse? Mais ça c'est pas un gosse ça. Ça va ce qu'il y a dur. Mais j'ai même pas ma voiture pour tuer le gosse. Moi je fais le tour. Fourre-moi la rune. Ah, une bonne rune. Une bonne rune fournée. Fumée. Fumée. Bonne rune fumée. Oh ah. Dites. J'aime pas les pleurs par contre. Putain. Je crois que je peux. Ah, mais c'est quoi sa gueule? On dirait gros de chelou. Tu bouges pas, hein. Tu restes, tu pleures là, t'es bien, tranquille. Ça va être chiant de... Attends. Ça va être chiant en vrai de devoir pulser comme ça pour voir quelque chose. Bah carrément. Bah c'est comme le jeu... Oula, tu galères. Oula, ça galère. Ouais. Ouais. Oh, j'aime pas. Bah, nique ta mère un peu. C'est comme le jeu que j'avais fait où la protagoniste était aveugle. Le seul moyen de voir, littéralement, c'était de taper ta canne et du coup ça faisait des échos. Et tu te repérais aux échos. Et le jeu était terrifiant et très très bien même. Très bon jeu. Je sais plus du nom, mais c'est une super bonne expérience. Ah, pardon. Tardeville, tu peux le ban s'il te plaît, tu peux le Théo. Il mérite depuis tout à l'heure, là, depuis 20h il mérite, cet enculé. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Pierre du cul. Ah yes, quel plaisir. Ah, j'adore. 1 sur 28, c'est bien, je compte pas les avoir toutes. Combien? Oh, quoi? Boudiougabay, quel est le vizir. Mais je suis marrant. Bah va faire un one man show connard. Ça va faire chier le monde. J'adore parce que l'option de ban une seconde s'appelle purger. Oh c'est trop bien. Oh c'est génial putain. C'est juste tu le réveilles quoi. Oh là. Alors ça c'est moins trop bien. Alors ça c'est trop bien que je veux pas ouf. Oh lui il est bien suédois lui hein. Oh lui il est bien suédois. I know it's not my place to question my orders, but I can no longer deem transportation through the routes as safe. It wasn't the problem, but all the other worlds were inhabited. Dead. Last time team 4 went through. Now you see what? And still only half of us came back. J'ai lu le site du jeu que ça
C'est pas sûr, même si je leur dis que je m'attendais à un truc en forêt et tout. Genre. Le premier était en forêt, Ludo. Et là, il change, là. Et là, perception. Ah oui, perception. Ouais, perception. Très très bien. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des tubes de pierre avec des visages? Je ne comprends pas à quels effets cela doit servir. Ouais, du coup, ils ont... Oui, c'est normal qu'ils ont évolué. Hein. Ça se part en couille. Bah, rentrons, hein. Qui c'est Viking Marvel? Ah, oh, c'est une adaptation comme une autre, hein. Tant que le jeu... Pour l'instant, le gameplay du jeu, il a l'air assez intéressant. Enfin, c'est un truc d'horreur basique, hein, mais... Le setting, c'est sympa, je trouve. Ça change. D'ailleurs, ce conduite, il appelle ça des tubes. Il dit des tubes. Tu vois, mignon et tube. Do you see? She left because she hates you. She left you all. What? Alone. If you don't want to be alone, qu'est-ce que c'est que cette merde? Can you do that? Make your father proud. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, j'ai... Oh là là! Oh, le bruit! Hey, fucking bitch! C'est vrai qu'il y a 2000. C'est pas du tout qu'il y a 2000. Alors, le cri de... Ah, comme dans Annihilation, ça me... caca un peu. Sur le truc qui me trigger un peu, c'est l'intro GLaDOS, c'est le premier item, c'est un cube, genre stop. Ouais, bon, bah, hé... Hey. Ça, j'ai jamais dit que... Ok. Bon, en tout cas, le premier m'a plu, donc je serai gentil avec eux, tu vois. Je vais pas trop critiquer comme un chien. Putain, j'ai presque plus de... Ah, j'ai presque plus, ouais. Ah non, non, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne ambiance, c'est cool. Le fait que ce soit un settings futuriste, du coup, futuriste et viking, c'est bah, rarement vu, hein, en vrai, donc c'est cool, tu vois, ça change. Alors là, on va avoir de la course-poursuite, je ne m'y connais absolument pas. Et en effet, je me trompe. Le Führerring, voilà, le fameux. Moi qui voulais voir ça. Mais qui voulait voir ça? Oh, c'est bien. Oh là là. Par contre, tu vois, ça c'est intéressant. S'il n'y a pas que ça, s'il y a vraiment plein de monstres... 6, 7, 25, ok. S'il y a plein de monstres comme ça, ça va être stylé par contre. Il y a un monstre de Doom, ça. Non, on dirait... Non, non, un de leurs trucs nordiques à la con. Putain, il me re... Il m'a re-dessus. Ah, sa mère! 79-13, ok. Quelqu'un peut noter sur sur le chat SVP? Ok, c'est bon. On se casse? Ouais, on se casse, hein. Cassons-nous. Putain, merci, pseudo. Dans ce coup, ma mémoire courte meurt, tu vois. C'est jamais. Je suis désolé des fois pour les petits lags, mais j'ai peur que... Ah, si, si, ça arrive pas tout le temps. Je pense que c'est à cause des chargements de niveau. Oh, ça c'est un dev. Oh, ça c'est un dev où je m'y connais pas. Bonjour. C'est moi, Igor. Et je travaille ici depuis mercredi midi. Je suis beau. Je m'appelle Igor. Avez-vous vu ma femme? Elle est belle, hein. T'as pas un PC Viking, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ok. Attends, je vais décorer. Je vais mettre une petite rune sur la gueule et puis c'est bon, ça va passer. Je crois que si je fais F sur Igor, il y a un truc derrière. Ah, oh, dommage. Il y a un petit sang qui va t'enculer s'il veut. Ah, mon gars, mais lui, il te balance, hein. Il te balance le.
Ah non, okay. J'ai cru qu'il me regardait, mec. Les gars, la piscine assis. Enfin, je suis assis là, quoi. Oula. Pourquoi il y a un chemin là-bas? Ouais, j'aime le risque. Ah. Ouais, j'aime le risque, mais tranquille en fait. Tu peux passer s'il te plaît? Bon bah oui, ou ça. Et d'ailleurs aussi, puis ça si, il ferme pas la porte. Pour refermer la porte. Je vis dans un mètre carré. Tu veux que je tombe sur qui? Moi-même? Tu veux que je me rentre dedans? Tu veux que je me batte, c'est ça? Moi, tu veux que je me batte avec moi-même? Putain, défier le corps humain. 3 mois d'ouvrir le sas. Ok. Troll Hunter 2. What? Y'a rien à cacher. Bah non. J'ai mon corps à moi-même. Mon beau corps d'Apollon grec. Ouais, ma famille vient de Bordeaux. Dr. Lisa Svensson, supervisor, day 3 of talent analysis. We received several stone tablets from Front on Time with instructions apparently symbolizing the nine realms of the world tree. Initial analysis shows that the tablet emits an energy field. Les fameux grecs de Bordeaux, ah oui, c'est bien connu. End of note. On n'a jamais dit que tous les bordelais étaient grecs, mais on n'a jamais dit non plus que tous les grecs étaient bordelais. Voilà. Ça veut rien dire. Ça veut tellement rien dire. Merde. Pardon. L'icône de sauvegarde est très jolie. Voilà. J'aime bien ces détails-là. J'étais voir Nicolas et Agas, s'il était de Bordeaux, je sais pas trop, j'y suis. Oh merde. Oh mais casse-toi. Non mais il est vraiment grec pour le coup, Nico, enfin grec. T'as compris que comme les champignons, quoi, vite fait, tu vois. Quel an est inutile. Ouf. Oh le tacle. Oh c'est méchant. Oh j'apprécie. Oh dans mes veines. Into my veins. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une harpe? Pourquoi il y a une harpe? Avec un serpent qui se mord la queue. Ah non, il se mord pas la queue. Ouais, c'est, les serpents, ils parlent comme ça. Genre, si un jour tu trouves le serpent, t'entendras... Voilà. Je parle serpent en troisième langue, hein. Je connais. C'est mes sources sûres. Mais tu sens bon, du coup, ça équilibre. Oh là là. Oh, sa mère! Note 6. The expeditions to Asgard were fruitful yet again. The team brought back several shields. Il avait that lui. Mais qui lui? J'avais moi. Tout à l'heure, il t'attendait à attaquer ce con. Ah. Je l'entendais, mais j'ai pas vu. Oh, quoi? J'ai peur de décrocher les trucs, du coup, j'attends la fin du. Tellement sûrement, on va être surpris. Got him! Qu'est-ce que c'est? Des immenses boucliers qui devaient être sur des dracars, où je ne m'y connais pas. Ça doit pas marcher? C'est pas la même main, hein, donc ouais, non. Oh là, pardon. Ça va, y a pas de. Pas trop de saccadage? De saccadure? Blague! Il va me casser les jambes! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Des soucoupes volantes vikings! Ah, les fameuses! What? Ah, dégueu! Et moi de Jameb! Ah, mais bah je te donnerai mes de Jameb! Et mes fameuses de Jameb! Vous allez bien, monsieur Simon? Mais ils sont même plus humains! Genre, c'est pas un visage humain, ça! Dégueu!
Bah allez. Ah, c'est complètement cracra. Hein. Ah, il parle suédois. Bah attends, je viens de revenir à l'OGT là. Ah mais oui, mais je peux ouvrir l'autre maintenant. Putain. Ok, hop. Non, il dit Starna, un truc comme ça. Je parle pas leur langage de bord. Hein. Les cerfs furiflés doigts, un fléau. Ah bah clairement. Hein. Un truc éradiqué ça. Hein. Mais qu'est-ce que je fais là en fait? Baby, rien. C'est ça la réponse. Ah putain, donc ça sert à rien. Bah, j'en assure même pas là. Ah bah d'accord. Plus je vois, moins c'est mieux, hein. Et dans le jeu aussi d'ailleurs. Ah non, pas super bien là. Ah pipou sur 20, pipou voilà nique ta race, hein. Ah mais il est parti par là en plus. Ah mais c'est rigolo ça. Mais j'adore l'humour. Pardon. Peut-être voir que je vais en bouche off. Bon, attends. Je vais faire maintenant. Ah bon d'accord. Jusqu'au micro, je reviens avec. Ok, I am here again. Ah, il manque un E. Ah, des barres. Tout à l'heure, il y a le jeu qui m'a vanné en me disant pour me pencher, ils ont appelé ça maigrir. Ah. Ah, mais c'est plein de gu. Ah, mais c'est n'importe quoi ici. Mais c'est super mal rangé. Quality research, note 1. Sarah has shown me a lot of the myths surrounding the ancient objects we have recovered. Just like assumed, most of these stories correspond only a little with the true events of the past. Giants and fire giants. Ouais, non, mais le traducteur suédois. Hein. Alors qu'ils auraient pu venir sur mon Twitter et me demander de traduire. Je ne traduis pas suédois français, non, je suis un gros con. Mais par contre, anglais français, ça, je suis peu. C'est comme la visée de fer. Traduit de quoi, visée de fer? Iron Sight, oh putain. Oh mais non. Mais... Ah, ah oui. Ah, je vais faire une blague, mais il m'a un peu interrompu. Mais vous êtes très mal allongé, mon bon monsieur. Ça va faire super mal. Sylvain Banchan était un peu fatigué, mon gars. Il devait s'empaler encore des Chris Prolls et des... C'est quoi leur gros pactage là, tu sais, jaune. Et à l'intérieur c'est du poisson... c'est du poisson, ça c'est sûr, mais genre vieux, je sais pas quoi, qui est horrible. Et oui, ils mangent ça comme si c'était pas un burger. Ouais, c'est ça, le surstreaming, je crois. Des bons Chris Wall, c'est du streaming, dégueulasse. Mais je crois que c'est dans une vidéo d'Anomalie, pour ceux qui connaissent, où à un moment il en fait bouffer à son père. Et vraiment, ça a l'air vraiment horrible. Parce que, enfin, c'est genre, du coup, c'est du poisson dans une mixture, tu vois, pour conserver. Et l'odeur, déjà, ça doit être affreux, vu que ça macère. Et... Ouais, du poisson fermenté, voilà. Putain, mais mon nez, tu casses les couilles, là. Laisse-moi streamer en paix, non? Du coup, rien que l'odeur, déjà, allez. Et le goût, mon pote, mais ça va être horrible. Tu prends ça et un peu de Haggy. Oh mon gars, tu manges Gucci pendant 15 ans. Tu fais plus jamais le difficile, poteau. Aïe. De quoi, Death Stranding? Qu'est-ce que c'est? C'est comme les gâteaux japonais au sapin. Bah tu vois, je préfère manger du sapin que du poisson fermenté ou du Haggy. Vraiment, hein. What?
back into houses, boys. Oh, la tête dans le cul, première. Oh, Matrix. Ah, trop bien. What? Oh, what the fuck? Avec mon accent bien français. Pardon, c'est quand je suis surpris que c'est stylé. Bah, j'ai littéralement pris une sergade en fait, là, pour de vrai. Ok, bah, je prends. Oh, what the fuck? Ah, what the fuck? Ah, des... Ah non. What is this? I don't want to Sarah this. J'ai pas vu. Ah, t'as, bah, tu, t'as pas vu. T'as pas vu là-bas, là. T'as pas vu ça. Coupe. Elda, il est pas là et c'est bien. Oh là 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 là, j'aime pas. J'ai le peur dans les dents. On dirait un crime crame de Narcosis. Ouais, mais avec un corps humain et des pattes d'araignée. Ah, ah, sa mère. Je sais pas où faut aller. Je rush quelque part, je m'en fous. Oh non, oh non, c'est la merde. Oh, le bruit de rythme. Ah, sa mère. Ah. Ah, ah bah d'accord. Shit, what am I doing? Come on. Bah mon bras, frère. Je me suis mis un pain. Récent des RE5 chapter 4-2. Ah, belle référence. Belle référence. Des pains quand j'ai peur. Ouais, mais t'es pas bien aussi. Au moins, c'était le jeu. Oh yes, j'ai un bras bionique. Oh, cyberpunk. Oh, let's go. If I would have been 5 seconds late, the demons would have torn you apart. The great Odin spared your life, but left you broken. But that's true. Just to me, moi, les pains. I fixed you. Ah, no, you know what? I made you better. Franchement, là, le perso là, she's sick. Remarkable, isn't it? What? C'est complètement stylé, par contre. No, you stay down. The anesthetics haven't left your system yet. Oh, my head. Ah, le bras. Ah, la fin du bras, c'est dégueu, par contre. Speech should be fine. I prepared the tissue. Yeah, I gave the bone structure a checkup as well. And the arm? How does it feel? Ah. Strange feeling, you think? When it's bonding. C'est quoi, comment on appelle ça le strobognon? I know. I have a few of my own. Comment on appelle les mecs bah, un peu comme lui du coup qui sont mi-technologie, mi-humain? C'est un nom spécifique anyway, dans notre ère du temps. I have much to prepare. Et qui croient en futur... non, pas des cyborgs, connard. Non, mais qui veulent... leur futur, ils croient à l'avancement humain dans la technologie. Non, pas des synthétiques, mais dans la vraie vie. Non, c'est un nom spécial. Des connards, oui, clairement. Non, mais c'est une sorte de caste. Oh putain, vous faites chier. En plus, j'ai oublié. Ça, par contre, c'est clairement Assassin's Creed. Le transhumanisme, voilà. Putain. What's going on? Et voilà, et par les signes de codage, j'en peux plus. C'est ça, ouais, le transhumanisme. C'est vous... Oh, what? La pouvoir? Le cyberbugisme, connard. On en a déjà, mais si, on en a plein déjà, mais c'est ça que je veux dire, quoi. And it's getting worse by the minute. What did you do to me? I brought you back from Helheim. Henrik, calm down. The journey to save her almost killed you. I don't want to lose you. Since she already has the prosthetic installed, tell her about it. Fine. Ouais, les mecs, ils font n'importe quoi. It's great power. Charged by Atrium, it can channel a magnificent force. Ok. Ah, donc j'étais en enfer. Bah, ça ressemblait bien à l'enfer. Non, ça va. C'était logique. The arm is called Yangrip. You brought a hand with you. Yep. Use the Yangrip to extract the RFID from it. What? You'll gain access to all doors with that level of security clearance. Bah, d'accord. Now try it. Scan the hand on the table and then use it downstairs on the lock. I know this is a lot to ask. We're not taking this.
please. I'll tell you more as you go. C'est vrai que la mécanophilie puisse devenir intéressante. Oh putain, dégueu. Mais après, c'est vrai que en soi, si on nique avec un sexbot, donc du futur, hein, j'entends, c'est compris comme de la mécanophilie ou t'es juste un mec chelou? Vas-y, bois une poteau, j'ai un cordier en inox. Cuscus, pseudo. Ah mon gars, le tape dedans, je suis pas ta mère, là il rentre en forme. Hein. Ça me rappelle Repomen du coup ça. Ça me dit rien Repomen, c'est un film. Enfin oui probablement mais ça me dit rien en tout cas. Ah c'est trop aussi chaud. Oui. Qui est dans la même, le même veine. Ceux qui baissent des poupées gonflables sont pas plastocophiles. J'aime pas que ça soit un terme possible. Ah, souris, ok. Hop. Ouais, donc attends, bah c'est bon. Oh, bah tranquille alors. Let's go le futur. Can you hear me? Yes. Hop. Good. You can hear me as long as our radio can reach your Bifrost system. Kick. Après, oui, c'est... mec, je sais qu'il y en a là, ça va faire cringe. Ou qui regarderont la rediff, Inch'Allah, et que ça va faire cringe. Mais à vous, imagine tu serais catholique, très très croyant, tu vois, et tu pourrais créer un système, et me dis pas que tu appellerais pas Jésus 2, tu vois, genre une connerie du genre, s'il te plaît. Mec, c'est tellement tentant. Je serais porté sur la recherche du transhumanisme, on a déjà de tout. Vas-y, raconte un peu, parce que moi je suis legit intéressé. J'adore le transhumanisme. Enfin, j'adore. Je me renseigne pas parce que je suis un trou de balle, mais c'est très intéressant. What? Attends, je peux y décharger tout là-dedans. C'est quoi? Je vous renvoie. Une petite amende de carte bleue. Ah bah dans le prépuce, ça va, faut bien payer un jour. Je vous renvoie, c'est quoi il faut que je fasse? De quoi décharge? Attends, je vais rebobiner un truc. That right there is a small atrium. Ah d'accord, ok, oui, bah, je vais jouer. Oh, what the fuck! J'adore mon accent français qui a coupé au couteau. En France, à Lyon, MGS, on a un hôpital spécialisé de malades dans ça. Oh, il doit y avoir des cases, ça va être horrible à voir par contre. Je paye par carte. Zip! Mais monsieur! Mais ce n'est pas humain! Oh! Ce n'est que ma bite! Franck Dubosc, pour vous servir. Juste à cause d'un pet de génie soudain, si tu mets ta bite dans un grippin, c'est la version masochiste de la mécanophilie. Alors ça, par contre, c'est dégueu un peu. Oh, what? Oh, trop bien! Et du coup, si je fais ça... Ah, je me recharge le bras! Ok. Et... Ah, ça consomme. Non, c'est stylé. On est sur le point de finir une puce greffée dans le cerveau qui permet de guérir Parkinson, par exemple, en niquant les ondes de maladie. C'est ultra stylé. Et du coup, je vois pas le problème. Enfin, j'imagine que ça doit poser des problèmes. Mais genre, humainement parlant ou quoi. Enfin, moi, j'en vois pas trop sur ce coup-là. Mais il y en a qui doivent abuser de trucs de fou. Ça se j'ai failli m'étouffer. Ah. Ah, blague sexuelle. Ah, Lino il suce. Basculer d'objectif, annuler la charge. Oh, oh, tu es trop mignon la main! Surtout calibrer la puce à tout le monde et l'impression en elle-même, mais les recherches avancent. Oh, j'adore le futur. Ça a l'air vraiment intéressant. Hop. Bon, chargé. Petit coup du. Loup. Since Jan Graper is relying on atrium power cells, your life might be depending on not running out.
there is another, larger power cell that you can carry with you at all times. Collect the power cells. Anytime you want to use them, activate your Bifrost personal display system for instructions and to keep track of how many you've collected. Merde! Encore? ok. D'accord. Et ok, d'accord. Ok. Stylé. En vrai, c'est de la 140. Attends, merde. On a créé des yeux capables d'être branchés sur nos nerfs optiques et rendre la vue à des aveugles de naissance. Ouais, mais entre voir du noir et voir de la 140p, franchement, 140p tous les jours. Hein. Surtout que j'ai testé voir du noir, c'est pas ouf. Et là, c'est pas une blague raciste. Vraiment, être aveugle, c'est pas drôle. J'ai l'impression que le jeu, ça a plus l'air d'être un jeu d'aventure. C'est dégueulasse. Que plus horreur, j'ai l'impression. En tout cas, pour l'instant. Comme un maintenant, quoi. C'est mieux que le doigt. C'est pas ouf, mais c'est mieux que le doigt. But the mechanics of the door needs a little finesse. Use your sight to see the mechanics inside the door. Ah oui, il y a le lien. Ah oui, oh stylé. Oh, il a la classe quand même. Tu as compris. Merde. Bah faut que je secoue. Tu as compris. Mais j'ai pas suivi. Faut que je fasse quoi, monsieur? J'ai oublié. De la finesse. Non, mais j'ai pas de finesse. Bah. Je sais pas c'est dû à quoi, comme Louis. Louis de la finesse. Le fait que ce soit un peu buggé, ça me tue un peu. Ça a l'air terrifiant, sérieux, genre le néant à côté. Ah, donc c'est celle-là, ok. D'accord. Affinaire. Juste exploser la porte. Oula. Attends, faut que je me mette un petit peu. Petit coup, parce que j'en ai plus. Ah non, mais mec, la traduction, c'est Gucci. Hein. J'ai pas encore vu à collectionner, parce que j'ai pas fait gaffe. Mais s'il y en a d'autres, faut pas hésiter. Hein. Et je lui ai explosé la gueule en fait. Bah. Ah mais non. Oh mais vas-y, j'ai tout gâché. Putain. Bon bah c'est la merde. Même basculer d'objectif, je comprends pas le principe. Enfin si, ouais, changer d'objectif mais basculer. Ouais. Faut juste être dedans, quoi. Bah non. Attends, mais c'est la merde, là. Merde, attends, je m'en vais. Ouais, on est actuellement capable de modifier un embryon humain et modifier son génome pour enlever des maladies héréditaires ou spot des maladies potentielles futures. Oh, mec. Mais on va vivre tellement longtemps, c'est un truc de malade, hein. Ah! Ah! Alors c'est la merde? Alors je crois que c'est la merde. Y'a pas un truc. Ah si, y'a un truc pour recharger, je crois là-bas. Si, un dernier, vas-y, balance. Balance tes facts. Je peux le faire en sautant? Je peux le faire en sautant, je crois. Oh, c'est bon, ça m'a redonné. Ok, bon, ça va. Oui, il savait que j'étais con. Tant mieux. Alors, mais du coup, je suis en bas. Ah, oh, je peux les griller. Attends, j'ai grillé les deux là. Ah non. What? Ah mais non, à la porte, putain. Bah non.
Pas bien. J'ai... Bah... Y'a un truc que je comprends pas ou quoi là? Attends, c'est le début du jeu, wesh. Attends, je peux passer par là. Ah non. Je dois aller en haut, mais je peux pas l'activer ça. Ah d'accord, ok. Oh putain, c'est un peu claqué ça. C'est un peu la claquos. Bah, me fait penser à Blood Dragon. Bon, c'est juste un bras bionique, comme il en existe plein, hein. Je vois pas vraiment de... Right. Our world, Midgard, is sharing its existence with eight other worlds that are all connected. Tiens, tiens, tiens. Une pilule botte pour certaines maladies principales, principalement intestines. Le robot pilule se dirigera jusqu'au bon spot et par des nanobots autoprogrammés pour guérir leurs zone et ensuite s'agrègent dans l'organisme naturellement. Ça, j'avais déjà vu, je crois. Oui. Oui, Yggdrasil. Oui, l'Oltruche. Oui, c'est bien. Tu suis. Sauf que c'est la merde. Hop, donne-moi toutes ces belles pilules. Mais... Henrik... has traveled too much unprotected. He almost died when he saved you and wouldn't survive going through another. Ah, il fait la gueule là. Hein. Poto, il a mangé là. Et je crois pas ça marche une fois sur deux ça. Mais, what? Ça marche une fois sur deux, putain. Je comprends pas comment ça marche. Sarah, ça vient. Listen. We know the location of one of the keys. Ahead of you is a route that will take you to Niflheim, the ice world. Oh mais non, oh non. Oh, putain Niflheim, vas-y. Je pense par le pire, sérieux. Please hurry. Ah, donc on va viser tous les mondes. Oh, ça peut être sympa, ça peut être niveau design, ça peut être sympa. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Bamba? Oui, bah oui, Niflheim, ça se démarre pas comme ta Clio, oui, je sais. Certes. Certes. Ça, c'est juste l'enfer des voleurs et des morts des maladies. Oh, c'est un bon endroit, du coup. Ça, c'est accueillant. Un super endroit pour aller passer ses vacances. Faire du ski. Je prends. Toujours pas eu l'autre gros con de chien, là. Quite literally. Par contre, Menliquette, il va. Ah, mon gars. Moumout. Petit gant. Parce que je pense qu'il va cailler. Hein. C'est la porte 3 étoiles. Enfin, niveau 3, quoi. Y a un truc qui vole. Ah non, c'est un projecteur. Il n'y a pas le mot de passe marqué par exemple. Non, ouais. Oula, oh, pff, niveau 8, bah vas-y, allez, fais péter. Allez, derrière doit y avoir l'horreur du monde entier. Oh yes! Oh Stargate! C'est pas Stargate du tout! Bon, ça veut ouvrir. God day. Petit point de sauvegarde. Message for Dr. Henrik Anderson. Dr. Brian Roberts, Niflheim Operation Supervisor. Oh là là. Minor progress report on Niflheim Outpost N502. Construction is moving along according to schedule. Procedures after... J'aime bien le principe que les mecs ils terraforment des autres mondes. Ou c'est la merde. On sait pas l'Oltruche. Plus ou moins des Zenus temporels. Point de TP Adus. Ça marche. De quoi de natives? De quoi y a des gens qui vivent là? De quoi des voleurs et des meurtriers? It just chills you
Je suis pas chaud, hein. Faut appeler Jace. J'ai pas la référence. Désolé, j'ai pas la... Je suis triste. Tristesse. Je suis pas rassuré. Je suis pas super rassuré. Et allez, c'est reparti. Bah voilà, nique ta mère. Ah, les concurrents de lumière. Ok. On peut se concentrer sur le jeu maintenant, Ludo. Oh, what? Oh, c'est le démon dans Death Note. Lul. Hashtag référence. En tout cas, c'est classe. En tout cas, c'est classe. Tu penses qu'on va croiser le père de Loki? Oh, c'est bon, c'est Vidvan. Si c'est tout ça, les indigènes, ça va faire chier un petit peu. Bon. Par contre, ce sentiment de gigantisme, non, ça va propre. Pour revenir à Midgard. Ouais. Et j'avais pas un objectif à faire. Il m'a juste envoyé là pour faire quoi? Juste mettre les pieds dans la neige. Vu que le père de Loki est un gérant, ça se trouvait c'est lui. Oui, non, là c'est un peu gros quand même, Ludo, là quand même. Oh, ouais. Par contre, leur porte du futur, je suis fan. Hein. Traducteur. Un peu d'heure. Je vois rien. Ça a l'air vaste. Chez. Ok, j'ai. Interprète. S'il vous plaît. You get this. I promise you, I have gathered a lot of data on the key's whereabouts. This close to finding it. But the road home, I can't get to it. Not with that. That thing outside. I don't know how much more of this I can take. You have to send someone to find me. Je parle pas beaucoup, mais je suis un peu concentré aussi sur le jeu. Enfin, je dois pas aller là. Ah si. Aïe. Oh sa mère! La survie. Oh what? Oh yes, passe niveau 2. On est dans le turfu, mais les pires lits de prison des années 30. Ah, mais ça. Ça coûte moins cher, hein. C'est bien connu. Attends, parce que s'il y a du loot, mon gars, je peux me faire un peu. Dommage. J'y ai cru. Yes. Let me take that shit. Hop, ok. C'est bon. Hop. Et voilà. Comme ça, quoi. Fais mourir. Non, mais il remonte pas. Voilà, on avance. Ok. Attends, je vais fouiller là-bas plutôt. On sait jamais. Ah bah oui, on sait jamais. Hop. C'est pour ma gueule ça. Pour Bibi. Ouais, des chips, mais. Putain. Pas zoomé, mais. Ah, je vois pas bien, merde. Il y a une pantoufle, juste un pantoufle. Je suis sûr qu'il y a un connard qui lui a caché quelque part dehors. Bien le truc d'enculé ça. Il a un revolver. Ah ouais, c'est bon. On a besoin du revolver, on a un bras bionique s'il te plaît. Un bras bionique avec un marteau.
de oh là là. I want to descend, please. Est-ce que... Ah, moi j'ai pas le choix. Bonjour. Laissez-moi tranquille. Oh. Oh, stylé. De moi. Oh, what? Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est dégueu! C'est quoi ce plan astral de mort? Oh, c'est super! Avec les bruits horribles. Oh, ils ont vu Midsommar. Je vais taper un foot. Ah non. Ah. Mais maintenant il est trop. Bah, ah merde. Attends. Je mets tout, ah, faut la mettre juste là. Con. Mais elle est déjà. Oh putain. Pardon, je suis un peu dans la détente. Voilà. Bon bah, let's go, hein. Je sais pas ce que je fais, mec. J'ai mis des boules dans des trucs, je sautais dans un puits. What? Ah d'accord, je suis vraiment mort en fait. Ouais. Donc tu meurs pas vraiment, je note, ok. Ah mais sa vision est glace! Ok. Ok, stylé. Ah, vite. Ok. Ok, donc géant de glace. D'accord. Oh, sa mère. Oh, putain, enculé. Non, mais en plus, je sentais venir. C'était, enfin, c'était logique. Bon, retournons vers le cul. Elle est peut-être la première dedans, comme d'hab. Oh, c'est le bordel sur Terre. Is that you? Oh, thank all. You made it back alive. As soon as we lost connection, I thought. I can see you on a camera feed. Ahead of you. Arrête. Absolov Research. There's an elevator that you can take to me on floor B1. C'est n'importe quoi. I've marked the elevator so you can find it with your sight. Ils ont vraiment fait n'importe quoi avec leur jeu. Enfin, le design, ils ont tout. Ils ont eu partout. Oh bah tranquille, j'arrive. Oh bah une main. Ah. Bah du fin. Ah si, je l'avais pas trouvé, ok d'accord. Attends, j'étais où? Je l'ai trouvé, non? Ah bah non. Oh putain. Et ça commence. Je go dodo demain, je suis les 40 ans ensemble Tarkov. Aïe aïe aïe. Oh ça va piquer ça. Mais qu'est-ce que ça va? Bon bah merci d'être passé. Ça fait plaisir. Ça met nous ça. Ah. Ah ah. Merde putain c'est... Ah putain c'est juste pour ça. Y'a pas un truc... Ah si y'a un truc. Je sais pas si je continue en stream ou peut-être juste en stream récurrent pas en Fright Friday ou quoi
toute façon, je pense que je vais couper dans pas longtemps. Je vais penser un peu plus spooky. Mais c'est juste un peu plus un jeu d'aventure. C'est dommage. J'aurais dû me renseigner et j'aurais installé l'autre du coup, mais. Ah, c'est un peu c'est trop tard. Et je pense que je continuerai dans la semaine, tu vois. Enfin, genre. En jeu normal, tu vois. I don't know how to describe the phenomena scientifically. The atrium has a terrifying effect on certain creatures from the myth that are affiliated with darkness. When it was wielded by Thor, it must have had an enormous destructive capacity. No wonder the gods are described as feared by everyone in the Nine Realms. Okay. Prochain point de sauvegarde, je couperai là. Encore un audio. Enfin, ma gueule, moi aussi, tranquille, non? Et je stream. Hop. Oh, cette porte. Je pense à Doom qui ferait ça. Hein. Je crois une gigantesque porte blindée. Il sera en émoi. Oh, c'est trop stylé! Mon PC, le jeu galère, mais. Hop! Seconde porte blindée. Je ne parle pas la rune. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh la track! Ah, la petite track, elle est pas mal! Ah, bah ça dans son sens aussi, attends, je m'en fous. Ah, c'est là qu'il faut aller par contre. Ah, bah de toute façon, faut que je monte. Oh putain! Mais mec, mais il était là depuis quand? Ok, donc il se trimballe dans la zone, je note. Oh là là! Ok, bon, bah je vais m'arrêter là, les potos, il y a un point de sauvegarde. Du coup, j'espère que vous avez kiffé ce soir. Ce petit troisième jour de l'horrible octobre. Pour ceux qui restent, c'est vrai qu'il est minuit et demi, demain ça taffe. En tout cas, moi j'ai bien kiffé, je me suis bien chié dessus, sérieux. Hâte de recommencer. hop, quitter. Du coup, je remercie tout le monde comme d'hab, hein. Merci d'être venu, merci pour les dons, merci pour les follow. Toujours merci d'être tout là. Oh, respect. Bon, voilà, hop. Ou trop. Mettre une petite musique et puis on va se quitter là-dessus. On a eu peur, on a bien rigolé. Je pense qu'on a on a eu une bonne soirée. Tu Halloween. Ouais, allez. Cuscus YouTube. Je sais pas si elle est copyright. Du coup, j'arrête l'enregistrement comme ça on est tranquille. Allez, cuscus YouTube. Cuscus.